Le reste du chapitre 19. 25 Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. 26 La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. 27 Abraham se leva de bon matin, pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. 28 Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre, et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. 29 Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. 30 Lot quitta Tsor pour la hauteur, et se fixa sur la montagne, avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsor. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. 31 L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée, pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. 32 Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. 33 Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. 34 Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. 35 Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui, il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. 36 Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. 37 L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. 38 La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube La Bible en audio et Kensia officielle. Genèse chapitre 20,21, 22,23. Genèse, chapitre 20. Un Abraham partit de là pour la contrée du Midi, il s'établit entre Kadès et Shur, et fit un séjour à Guérar. De Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. 3 Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. 4 Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? 5 Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. 6 Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. 7 Maintenant, rends la femme de cet homme car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Puis Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. 9 Abimélec appela aussi Abraham, et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. 10 Et Abimélec dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? 11 Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. 12 De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. 13 Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras, dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. 14 Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. 15 Abimélec dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. 16 Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tout tu seras justifié. 17 Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. 18 Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Genèse, chapitre 21. À l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. De Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. 3 Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté.
4 Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. 5 Abraham était âgé de 100 ans, à la naissance d'Isaac, son fils. 6 Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. 7 Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. 8 L'enfant grandit, et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. 9 Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. 10 Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. 11 Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. 12 Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. 13 Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. 14 Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule, il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Beersheba. 15 Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. 16 Et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. 17 Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. 18 Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. 19 Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. 20 Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. 21 Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. 22 En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. » 23 Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. 24 Abraham dit, « Je le jurerai. » 25 Mais Abraham fit des reproches à Abimélec, au sujet d'un puits d'eau, dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. 26 Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là, tu ne m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » 27 Et Abraham prit des brebis et des bœufs, qu'il donna à Abimélec, et ils firent tous deux alliance. 28 Abraham mit à part cette jeune brebis. 29 Et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis, que tu as mise à part ?» 30 Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces sept brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » 31 C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. 32 Ils firent donc alliance à Beersheba. Après quoi, Abimélec se leva, avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. 33 Abraham planta des tamarisques à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. 34 Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Genèse, chapitre 22. Un après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. De Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. 3 Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 4 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. 5 Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » 6 Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. C'est alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Puis Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. 9 Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois.
dit puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils. 11 Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit, Abraham. Abraham, et il répondit, me voici. 12 L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 13 Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 14 Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. 15 L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. C'est et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. 17 Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. 19 Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. 20 Après ces choses, on fit à Abraham un rapport, en disant, voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. 21 Uts, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram. 22 Kessé, Azo, Pildash, Jidlaf et Bethuel. 23 Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. 24 Sa concubine, nommée Réuma, a aussi enfanté Tébar, Gaham, Taask et Maaka. Genèse, chapitre 23. Minuit, minuit. À la vie de Sarah fut de 127 ans, telles sont les années de la vie de Sarah. De Sarah mourut à Kiriath Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint, pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. 3 Abraham se leva de devant son mort, et parla ainsi au fils de Hachéach. 4 Je suis étranger et habitant parmi vous, donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. 5 Les fils de Hachéach répondirent à Abraham en lui disant. 6 Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous, enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras, aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. 7 Abraham se leva, et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Hachéach. 8 Et il leur parla ainsi, si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi, et priez pour moi Éphron, fils de Tsochar. 9 De me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. 10 Éphron était assis parmi les fils de Hachéach. Et Éphron, le Héthien, répondit à Abraham, en présence des fils de Hachéach et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. 11 Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ, et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne, aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. 12 Abraham se prosterna devant le peuple du pays. 13 Et il parla ainsi à Éphron, en présence du peuple du pays, écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. 14 Et Éphron répondit à Abraham, en lui disant. 15 Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 sicles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. 16 Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Hachéach, 400 sicles d'argent ayant cours chez le marchand. 17 Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour. 18 Devinrent ainsi la propriété d'Abraham, aux yeux des fils de Hachéach et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. 19 Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. 20 Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale, acquise des fils de Hachéach.